Si vous êtes nouveau à la chaîne, merci de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Présidence de la Sony, qui pour remplacer Maître Salif Kebbé? Une semaine seulement après le décès de Maître Amadou Salifou Kebbé, emporté par Covid-19, certains observateurs commencent à s'interroger sur son futur remplaçant à la tête de la Commission électorale nationale indépendante, Sony, et la procédure légale de désignation de l'intéressé. Au sens de l'article 11 de la loi organique L/2018/044 en modifiant certaines dispositions de la loi organique L/2012-016-CNT, portant création, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, il est écrit, en cas de vacances consécutives au décès, à la démission ou à toute autre cause d'empêchement définitif d'un commissaire constaté par la Cour constitutionnelle saisie par le bureau de la CENI, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions que celles de sa désignation pour le reste du mandat en cours. Dans les cas d'absence ou d'empêchement temporaire du président, celui-ci désigne à tour de rôle, un des vice-présidents pour assumer l'intérim. En cas d'empêchement consécutif au décès, à la démission ou à toute autre cause d'empêchement définitif du président, il est procédé dans les 15 jours à son remplacement dans les mêmes conditions que celles de sa désignation, pour le reste du mandat de commissaire. Il est procédé dans les 8 jours de ce remplacement, à l'élection d'un nouveau président parmi les commissaires issus de la société civile. Pendant cette période, l'intérim est assuré par le doyen d'âge parmi les commissaires issus de la société civile. Le doyen des vice-présidents préside la séance de l'Assemblée plénière consacrée à l'élection du nouveau président puisque l'actuel chef du département accréditation et formation, cabinet CICE, est le seul commissaire issu de la société civile au sein de la CENI, en attendant le remplacement de Maître Salifou Kebbé. C'est lui qui assure l'intérim du président de l'institution électorale.